Fin arriva sete allo MBC, messi o fin soisie nou pou tenye ou informe, a nou get ensam se ki fin domine l'actualité sa dimanche la. 18e sommet G20 lien sixe grâce à leadership premier ministre indien, se ski premier ministre Pravin Kumar Jagnet fin dia dans New Delhi, li fin aussi cause lo coopération régionale, changement climatique et que dossier sagos pendant ce ban rencontre bilatérale avec ban les autres pays. Dans Rajghat Azodi, premier ministre fin aussi ranomaz Mahatma Gandhi ensemble avec ben, les autres chefs gouvernement qui pendant une cérémonie dépôt de gerb. Championnat d'Afrique Zido, Maurice fin gagne des médailles bronze, Tracy Duron et Rémi Feuillet fin briller dans cette catégorie. Et quand Déo nous bat frontière, puisqu'il 2000 Dimoun fin perdit la vie après qu'il a terre fin tremblé, vendredi à soir dans Maroc, un bilan qui est encore provisoire. Madame Missier, bonsoir. C'est une première qui nous paye fin vive sa week-end là, jamais avant fin arriver qui un premier ministre mauricien fin invité pour participer et qu'intervenir dans un sommet 20 puissances mondiales plus fort. C'est premier ministre indien Sri Narendra Modi qui fin personnellement invite premier ministre Pravin Kumar Jagnet, une invitation qui justement traduit ben une relation bien spéciale et solide qui est là. Entre nous deux pays, Pravin Kumar Jagnet fin aussi remercier premier ministre indien pour adhésion l'Union africaine dans groupe ban 20 dans New Delhi, safe gouvernement fin représente ban til état insulaire, notamment la question changement climatique. Pravin Kumar Jagnet li résuelit de l'engagement qui G20 fin prend dans déclaration New Delhi, l'OSA, sa 18e sommet G20 là, li est fixé si et tout. Grâce à leadership premier ministre indien, c'est ce qui sait le gouvernement mauricien fin dire. Je tenais avant tout à remercier le gouvernement indien et surtout le premier ministre Sri Narendra Modi ji qui fin permettre moi représente nos pays dans le sommet de G20. Ça montrait à qui point l'EN a une considération spéciale pour nos pays. Et sa participation-là, fin permette-moi aussi, exprime-moi en tant qu'un représentant continent africain, mais aussi au niveau de Ban SIDS. Je note avec beaucoup de satisfaction que ce sommet-là, fin accorde une place bien importante à l'adaptation au changement climatique. Je fin d'ailleurs faire ressortir que chaque action qu'un pays fait, il y a un impact dans le monde entier. Et qui fin l'air pour qui nous prend une action concrète pour contrer l'effet changement climatique là. Et c'est avec beaucoup de satisfaction qui m'a noté que tout pays fin adopté la déclaration de Delhi à l'unanimité et je fin d'accord pour bouger dans la même direction, c'est-à-dire privilégier un développement accéléré, qui durable et qui vert. L'adhésion de l'Union africaine dans le groupe de G20 lie aussi à un développement majeur de ce sommet-là que Maurice finit toujours soutenir. Il est important que nos continents capables de faire la voix entendre dans un forum pareil, que si tout peut décider dans une stratégie et un impact sur la planète entière. Pendant ce ban rencontre bilatérale avec ban dirigeants ban les autres pays comme à l'Angleterre, Corée du Sud ou soit Émirats Arabes Unis, premier ministre fin cause le changement climatique, dossier sagos et aussi coopération régionale et internationale avec premier ministre indien Narendra Modi fin si à tout cause le développement dans plusieurs secteurs. Premier ministre Pravin Kumar Jagnet dit qu'il c'est une rencontre bien positive. À nous écouter. Au niveau bilatéral, j'ai besoin de dire que j'ai eu une rencontre bien positive avec le premier ministre indien, Sri Narendra Modi ji. Et encore une fois, le fait qu'il ait choisi pour joindre ma délégation en premier, il démontrait à qui point l'amitié, fraternité et collaboration entre nos deux pays est robuste. Nous avons abordé, bien sûr, plusieurs sujets parmi soutien de l'EN pour l'acquisition de 200 bus électriques qui n'est pas en avant pour nous réduire le taux d'émission de CO2. Nous finissons aussi remercier l'EN pour ce soutien sans faille
le dossier Chagos. Et puis, très prochainement, avec coup de mélène, mon développement venir dans le secteur financier et aussi au niveau collaboration dans le domaine spatial. Cette rencontre-là, surtout permettre-nous de renforcer encore plus mon lien qui est bien spécial entre l'Inde et Maurice. Mon rencontre avec Dr. Jay Shankar finit aussi dans la même direction. D'ailleurs, nous finissons pas en revue mon avancée de plusieurs projets qui peut réaliser avec soutien gouvernement l'Inde. Nous finissons aussi pas en revue situation au niveau régional et aussi au niveau international. Nous finissons bien sûr cause dossier Chagos avec le premier ministre britannique Rishi Sunak et nous finissons faire le point lors de négociations qui est en cours concernant la souveraineté de l'archipel de Chagos et nous finissons d'accord aussi pour nous rejoindre très bientôt. Nous finissons aussi guetter qui va nous collaborer davantage en tant que pays du Commonwealth, surtout à travers un projet d'adaptation au changement climatique. Mofin aussi gagne une très bonne rencontre avec le Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, le ruler des Émirats Arabes Unis, avec qui nous fin discute de bons moyens pour nous capables produire l'énergie renouvelable. Mofin aussi gagne une réunion bilatérale avec le président de la Corée du Sud et nous fin discute de l'avenue de coopération, bon projet, bon secteur. Qu'on nous capable bénéficier de autres connaissances et de autres expertises. En tout cas, Maurice finit en gazli dans sa direction à travers son adhésion à Global Biofuels Alliance. Nous finissons officiellement lancer sa plateforme là ensemble avec Premier ministre indien, président américain et président argentin entre autres. Et l'objectif qui nous fin fixer, c'est faciliter le commerce et la recherche en matière de biocarburants durables. Nous finissons également à bord de cette CISE-là avec les autres dirigeants, notamment le président des Comores, qui, comme on nous connaît, puis assume la présidence de l'Union africaine, avec le président Emmanuel Macron, avec le premier ministre japonais, avec le président nigérien, avec vice-présidente de l'Espagne, de même qui sont représentants de plusieurs organisations dont l'Organisation mondiale de la santé, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Donc, mon mission en Inde finit aussi permettre-moi de recueillir moi le samadhi de Mahatma Gandhi. C'était un moment d'émotion et me convaincu que l'enseignement du Mahatma se dresse encore bien pertinent, surtout en ce moment, à côté du monde, il est rongé par un conflit. En tout cas, mon souhait, c'est que G20, je toujours continuer à agir et permettre à mon pays de prendre conscience de la gravité de la situation, si nous ne pas agir, et surtout continuer à faire des choses qui, le changement climatique, les reste une priorité et qui nous aident un progrès inclusif pour tout. Je tenir encore une fois à féliciter l'Inde. Et surtout le Premier ministre, Sri Narendra Modi ji, pour son leadership qui fait une capitale pour que sa G20-là débouche sur une résolution qui fait une bien acceptée. Pendant ben travaux, sommet G20, sa dimanche-là, Premier ministre Pravin Kumar Jagnauth fait aussi un président français, Emmanuel Macron, une rencontre amicale et cordiale. Sa dimanche là toujours, Premier ministre fin adresse li à ban chef d'État et que gouvernement G20, le thème One Future. Pravin Kumar Jagnauth appelle l'ancien l'appel pour qu'il y ait un dialogue pour essayer d'arrêter ban conflit dans le monde. Li fin expliquer qu'il pour la paix, faut des pas et na conflit. Li fin plaide pour la justice et équité.
Motiapédia Oli, dans titre Premier ministre, Pravin Kumar Jagnauth finira nommage à Mahatma Gandhi à Zodi, l'été avec ban les autres chefs d'État G20 dans Rajghat pour cérémonie dépôt de gerbe, le samadhi Mahatma Gandhi, grand défenseur non-violence, expert la nation indienne. À nous guetter ensemble. Rajghat, c'est un haut lieu de mémoire. Premier mémorial sur place, fin dédié à Mahatma Gandhi. Sa dimanche là, ban leader mondial qui fin participe dans G20, parmi Premier ministre Pravin Kumar Jagnauth, fin ranli un vibrant hommage. Mauritius ke rashtrapati Pravin Jagnauth ka swagat karte hue Pradhan Mantri Narendra Modi. C'est Premier ministre indien Sri Narendra Modi qui fin accueillir les autres dans Rajghat. Ban chef d'État et de gouvernement fin ensuite recueillir les autres devant Samadhi Mahatma Gandhi. Le Samadhi, c'est une plateforme en marbre noir qui fin érigée la côte finina crémation Mahatma Gandhi, les 31 janvier 1948. Premier ministre, ce madame Kobita Jagnauth fin aussi recueillir le samadhi Mahatma Gandhi sa dimanche là, pendant une cérémonie dépôt de gerbe dans Rajghat, dans New Delhi. Et que hier soir, à la fin première journée, sommet ban dirigeant G20 dans New Delhi, Premier ministre Pravin Kumar Jagnauth et que ce madame Kobita Jagnauth t'y invité ensemble et ban les autres dirigeants les mondes à une dîner gala dans Bharat Mandapam, ses présidentes république Len, Draupadi Murmu et que Premier ministre Sri Narendra Modi qui fin accueillir Premier ministre Mauricien et que ce madame. Dans le domaine de la santé, une cargaison plus qui 50 000 vaccins Pfizer bivalents finiront de payer à Zodi tantôt. C'est un don gouvernement américain qui concerne Sietou Bandimoun vulnérable. Finena Zodi une cérémonie dans EPO en présence ministre de la Santé et l'ambassadeur de l'Amérique. C'est la quatrième fois que le gouvernement américain peut offrir une dose de vaccin pour Maurice, pour qu'il soit capable de lutter contre COVID-19. Et ça fait partie des efforts globaux pour lutter contre sa maladie-là. Et ils ont dit environ 51 000 doses et fin arrivé à bord de sa avion depuis Emirates Airlines, depuis Dubaï. Cette dernière donation pour les États-Unis est une grande opportunité pour nous d'être supportifs de Mauritius. Et encore, c'est partie d'un effort que nous avons fait globalement. For the United States, it's really important for us to demonstrate our commitment to helping other countries with addressing COVID. And again, you know, we've seen so much progress and we're very excited with the fact that, you know, it appears that we're controlling and managing COVID well, but we have to remain vigilant. And as the Prime Minister said when he was in India just recently, or is still in India for the G20, he noted the importance of collaboration support that is needed globally for addressing pandemics, in this case, obviously COVID. And again, we have to keep our vigilance. We just, with the changes, the mutations,
It's very important that people continue to get boosters, continue to be vaccinated. C'est un deuxième type de vaccin, ce qu'on appelle le vaccin COVID-19 bivalent. Alors, ce vaccin-là, les prix adaptés pour ben variant qui nous est en ce moment, ça veut dire ben variant Omicron. Alors, les démarches, ont commencé plus que 6 mois de cela, quand le Premier ministre, lui, personnellement, avec le High Level Committee, engage nous dans essayer de trouver un moyen comment nous sommes capables de gagner des donations de vaccins. Et là même que les démarches finissent aboutir, c'est un grand merci pour l'État d'Amérique lui-même, parce qu'il nous finit recevoir ça dans un moment. Si je te rappelle, ben vaccin qui nous ne finit faire date maintenant presque plus que 2 ans. Nous sommes contents d'abord d'offrir ça à ben des gens qui peuvent faire dialyse, ben des gens qui ont un cancer, parce qu'ils ont un problème avec cette immunité, ben des gens qui ont un problème dans cette immunité ou bien qui ont une comorbidité qui est sévère. Alors nous donnons notre premier, en premier lieu, et puis bien sûr nous étendons ça avec Benjamin qui a plus de 60 ans. Alors c'est une recommandation de l'OMS lui-même. Nous enseignons et que sa triste nouvelle-là, tremblement de terre dans Maroc, fin fait escalaire, plus qui 2000 mots, d'après un bilan qui toujours provisoire, ben RCS a pu continuer pour essayer de retrouver ben siens vivants, plusieurs pays et que plusieurs organisations fin viennent dès l'avant pour aider Maroc. Nous fait le point. Alors, ce qui m'a dressé à sa paix continuer après puissant tremblement de terre qui fin ena dans Maroc vendredi à soir, bilan bandimoun qui fin perdit la vie paix continue augmenter. Sa dimanche là, Maroc tient toujours à paix compte sur ban victime. C'est une véritable course contre la montre pour se retrouver ban siens vivants, puisqu'il a moitié ban victime fin ena dans Al-Haouz et Taroudante. Un peu plus dans les cides, des zones rurales, à côté de la montagne et liées au cœur au Atlas, d'après le ministère de l'Intérieur. Ce qui fait qu'il est bien difficile de gagner accès à cette zone-là. Accessibilité reste le premier défi. Ban Sécuris, je peux gagner beaucoup de difficultés pour atteindre cette zone-là parce qu'ils ont retiré et aussi plaisir la route de la montagne fine endommagée. Épicentre à ce séisme-là, il trouve dans une région montagne isolée dans le sud-ouest Marrakech, à côté de plusieurs villages entiers fin détruits. Fin aussi enregistré plusieurs dégâts dans la ville touristique-là qui est bien populaire. Ce séisme-là fin suscite un élan de solidarité dans les mondes. Plusieurs pays et plusieurs organisations après proposent de l'aide à Maroc. De tout ou les contribuer pour que ce pays-là soit capable de rediboot. Et qu'après sa drame dans Maroc, le ministère des Affaires étrangères fin tient un communiqué hier à partir de mai, hotline 405 25 76 pour opérationnel pour donner une assistance consulaire à ben ressortissant mauricien qui dans Maroc et qui gagne ben difficulté. Nous cause sport à Stella dans le championnat d'Afrique Zido dans Maroc, nos compatriotes Tracy Duron fin gagne médaille bronze dans catégorie plus qui 78 kg, les fin battent soit adversaire angolaise et que l'autre côté dans catégorie moins qui 90 kg, Rémi Feuillet fin lui aussi saute 3e et que les fin gagne médaille bronze. Chaque les 4 septembre, nous célébrons Journée mondiale à la santé reproductive, une occasion pour cause de l'importance à la santé reproductive et aussi sensibilise ben Dimoun Lola. Fin justement organise un workshop Lossa, une collaboration entre Lions Club Savane, ministère de la Santé et aussi l'Université Maurice. Pour tout de suite, nous guettons ensemble qu'il est temps pour faire aujourd'hui que 10 mai, ben Niaz associé à une instabilité depuis sud-est à peu influence les temps que nous apportions à aujourd'hui à soir. Par ailleurs, anticyclone dans les cides mascareilles a pu maintenir un courant d'air modéré. L'eau nous résion, ben une prévision pour prochaine 24 heures. À soir, les temps pour correct pour une Niaz et Capavena et Pélapli, surtout dans les cides l'est et que le plateau central. 10 mai, matin aussi, Capavena et Pélapli, sinon après les temps pour correct. 10 mai, la journée aussi, l'impossible, et n'a l'appli. Marée haute, 23h et que 10 mai midi 30, marée basse, 18h04 et que 10 mai 6h03, soleil pour lever, 10 mai cramatin, 6h09.
Madame Issier, nous en allons créole fini ici. Merci au fin suivi. Un grand merci aussi à entier l'équipe réalisation pour ce coup de main. Passez une bonne semaine avec nous. Et que c'est tout. Pour tout bien.